chasse des rodures, il y a de la belle température, plus de 1000 jeunes, pas loin de 1100 là. Une trentaine d'écoles. Une trentaine d'écoles. Ouais, de niveau 3e et 4e année. Élèves. On a les élèves de 3e et 4e cette année qui participent. Puis ça leur permet de vivre une super belle expérience dans une super belle journée aussi. La température est de notre bord. Puis bien, l'effet de groupe aussi, chacune des écoles est présente. Donc ça fait un bel événement de masse. Puis ça leur montre justement les mots. Un autre type d'activité qu'on peut leur présenter durant le cadre de l'école. Moi c'est Mariana. Moi c'est Meka. Moi c'est Samuel. C'était votre premier triathlon? Oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui, vraiment. Vous avez préféré quoi? J'ai beaucoup aimé le vélo. Ouais, moi aussi. C'était plus facile de dépasser les autres. Et la course était essoufflante. Ouais, vous allez recommencer? Oui. Ouais, moi j'espère vraiment en faire la prochaine fois, on espère qu'on pourra aller dans faire la natation. On est toutes de très bonnes amies, puis depuis vraiment longtemps. La maternelle. Félix, Emma, Alix, Améliane. C'était votre premier triathlon? Ouais. Ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré? Le vélo. Le vélo. Moi je m'appelle Sanévi. C'était ton premier triathlon? Ouais. Ça t'a plu? Ouais, qu'est-ce que tu as préféré? Moi, c'était le vélo. La course, à la fin, j'avais une géante. D'accord. Tu vas en faire l'année prochaine? Sûrement, ouais, j'ai bien aimé ça. Une centaine de bénévoles qui sont depuis 9h du matin. Et en plus, on a 99 vélos, dont 78 de triathlon bénévoles et une vingtaine qui viennent de l'école IUT. Super, merci.